Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, voilà, je crois que c'est parti. Bon, je pense que j'ai résolu tous les petits problèmes techniques. Alors bonsoir Laurent, bonsoir, t'es déjà là. Bienvenue pour ce premier live. Alors, premier, donc excusez-moi d'avance pour les petites erreurs qui seront d'une fois dites, et puis pour tous les problèmes techniques qui en découleront, puisque bon, bah, c'est... C'est l'épreuve du feu, on verra comment les choses tourneront. Alors là, pour l'instant, on n'est pas très nombreux, je pense, hein, à part Laurent. Non, si, un peu plus. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. On sait jamais, il y a peut-être des dames, mais bon, ça j'en doute un peu. Ce soir, alors Amiga, au moins une heure. Une heure autour déjà de 4 jeux sûrs, et on verra bah, si ça tourne bien, on poussera un peu plus loin. Mais je préfère faire des sessions pas trop longue et de rester sur on va survoler des jeux, c'est à dire qu'on va pas les faire ce sera pas du long play, ça sera de la découverte, de parler de jeux qui sont sortis un peu tard et qui selon moi valaient le coup. Ce sont des jeux agréables à jouer, bien fichus, assez jolis, très plaisants. Donc peut-être que vous les connaissez déjà, et si vous les découvrez, bah, je vous invite grandement à y jouer. Voilà. Donc le premier, bah, ça sera Smidge. Hop, je vais déjà tac 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 enlever le fond sonore. Smidge. Alors, non, pas Smidge. Pourquoi je dis Smidge? Parce qu'en fait, c'est un jeu déjà que j'ai découvert dans le domaine public. Il s'appelait Smidge. Et il a eu la chance d'être édité chez Confused Pelican. C'est un jeu de David Parson. Et vous le connaissez peut-être sous le nom de Morton Strikes Back. Il a deux versions, une version OCS-ECS et une version AGA. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la version AGA. Pourquoi ? Pas non seulement parce qu'elle est plus jolie, mais elle bénéficie d'un atout, à mon avis, essentiel pour un jeu de plateforme, c'est que le saut est directement sur le bouton d'action. Et oui. Il en aura fallu du temps pour avoir des jeux qui permettent de faire ça, puisqu'habituellement, on mettait la manette vers le haut pour pouvoir sauter. Alors là, ce que vous découvrez devant vous, bah, c'est un AmiKit, avec de très 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 belles icônes qui ont été réalisées par Laurent Blot. Tout ce que j'ai utilisé ce soir est l'œuvre de Laurent Blot. Donc un grand merci à lui pour d'une part le temps qu'il y a passé, et puis vous pouvez voir qu'il a beaucoup de talent, cet homme-là. Elles sont magnifiques. Alors là, je fais le malin, je vous présente cet AmiKit, mais on va avoir recours à une autre interface. Hop, je vais basculer à celle-là, normalement ça devrait marcher. Tac, 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 ou pas. Tac, et voilà, et là ça marche. Vérifier si dans le stream ça passe. Oui, ça passe. Allez hop. Hop, allez, réduire ma fenêtre parce que éviter que ça consomme beaucoup. Tac, voilà. Donc, même icône. Enfin, moi, je le préfère. On est vraiment à la grande époque avec un beau workbench
bien fichu, regardez-moi ça. C'est... Quand on touche à ça, on a réellement envie d'utiliser plus que ça et de foutre Windows à la poubelle. Alors, on va commencer par Morton Strikes Back. Donc, plateforme, tac, tac, tac. Alors, j'ai eu quelques soucis avec mon PC dernièrement. Il rame un peu. Et je ne voulais pas me lancer dans une réinstallation, même si on a le temps. Hein. Il faut l'admettre que là, avec le confinement, on a un peu plus de temps pour faire ce genre de bêtises. Mais honnêtement, enfin, la réinstallation, ça reste une tannée. C'est surtout pour les petits logiciels exotiques que moi j'utilise, hein, qui est long et fastidieux, avec beaucoup, beaucoup d'audio d'ailleurs, beaucoup de plugins audio. Et ça, c'est méga long. Donc, Morton Strike. Like, hop, je suis dans la version 1GA, oui, c'est parti. Alors, on va, hop, jouer sans EV Infinity, sans rien, hein, normal. Comme à la grande époque, hein, pas de trainer. Alors, bonjour Alex, putain, j'étais pour rater sur Facebook à Laurent, tu es un NAS. Par contre, ça lag chez moi. Peut-être parce que j'ai mis une qualité très très élevée. Et ça, je ne sais pas encore si du côté de Twitch, les résolutions s'adaptent ou alors il faut absolument que tu aies du HD, Full HD. Après coup, j'ai vu que quelques streamers streamaient avec des résolutions inférieures pour permettre... une meilleure diffusion. Et c'est peut-être ce que je devrais faire à l'avenir. Donc si ça lag chez toi, il faut peut-être que je revoie ma copie. Donc bonsoir Teresseur, t'es le bienvenu. Laurent, on s'est déjà vu. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi le petit fond rigolo que j'ai mis, hein, avec un Shadow the Beast. Bien sûr, le concombre, hein, indispensable outil pour une soirée réussie. Voilà, et je vais retourner. Attends, pas tout de suite. On va aller dans les options. Alors, eh ben voilà. Jump to jump, swim and fly, fire, game route normal, time limit normal. On va rester en normal. Allez, et comme je suis une branque, je vais 5 vies. Hop, exit. C'est parti. Ah, j'aime beaucoup ce jeu, très simple. Alors forcément, on est comme dans les tout ce qui a suivi Mickey Mouse, sur Mario surtout, où paf, on saute et on n'a pas d'armes complémentaires, donc c'est le saut qui fera que on pourra tuer ses ennemis. Et ah, attendez, je vais vérifier ce que j'ai entendu. Un tung 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 tung. Voilà, ouais, c'est revenu. C'est reparti. Tac. Donc, d'une part, il est magnifique, mais il a une jouabilité, mes amis, formidable. Formidable. Allez, vas-y, hop. Et puis, il est pas tout choupinou, le personnage, franchement. Ouais, il est génial. La plupart des boîtes ont cherché à créer un personnage original en prenant tous les animaux qui étaient possibles, hein, du poisson, de la grenouille et vas-y, des meilleurs et que j'en passe. Et là, avec un personnage moi qui me rappelle quelque chose, et sans doute vous aussi, voilà, on comprend avec les yeux le nez, tac, c'est la synecdote, une partie pour un tout, on a un personnage totalement sympathique. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune difficulté à manier le jeu. Hop. Et j'aime bien le level design. Le level design, il est nickel. Les ennemis sont placés au bon endroit à chaque fois. Moi, je m'en rends compte à chaque fois que je fais des séries de sauts Enfin, moi, j'ai envie de continuer à sauter sur la tête des uns et des autres. Et paf, finalement, t'as le gros happy qui arrive. Et qui est placé au bon endroit justement pour dire bah oui mon pote tu t'es un peu enflammé à sauter dans tous les sens, à croire que t'étais un bon joueur, à pouvoir sauter sur tous les ennemis, bah non moi je t'arrête. Hop, allez descendre, on a mis. Puis
puis même les collisions, voilà, je suis à côté d'un pic, je crève pas tout de suite, quoi. Alors qu'il y a tellement de jeux où ça, c'est mal fichu. La fenêtre du chat, est-ce que je peux la voir? Ouais, nickel, voilà. Ça, j'avais oublié de la remettre. Alors, Studying Soul, bonsoir à tous. C'est moi, Pascal Vizin. Bah tiens, Pascal, oh, t'es loin de chez toi, là. T'es pas à côté. J'espère que t'as pris une attestation avec toi, hein, parce que on peut pas circuler comme ça. Hein. Eh ben, cher Pascal, nous sommes sur Morton Strike Back. Jeu plateforme sorti un peu tard, en 94, hein, chez Confused Pelican. Et qui est l'œuvre d'une seule personne, David Parson. Et là, on teste la version AGA, puisque la version AGA permet de jouer avec Fire pour le bouton saut. Permet de sauter avec le bouton saut. Et ben voilà. Ah non ! Voilà. Donc maintenant, je découvre. Qu'il est difficile de streamer et de jouer en même temps, c'est méga dur. Allez, vas-y, tant pis. Fais le forcing, non. Sauter une deuxième fois, oui, gagné. Et zut, voilà. Voilà. Ah, c'est à chaque fois des petits niveaux, hein. C'est jamais très long. La variété de niveaux est assez impressionnante en termes de décor. Par contre, le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est vraiment la musique, où vous avez un thème musical, et puis c'est barre, quoi, y a rien d'autre. Allez, vas-y, petit pour la France, oui. Voilà. Ah, j'y arrive pas. Ah non, je vais pas rester sous la flotte. Ah, il faut... Ah, ouf. Taf. Ah oui, quand on est sous l'eau, un peu difficile parce qu'il faut retrouver une plateforme accessible. On peut plus sauter hors de l'eau. Toc. Alors, Sting Soul, t'as ton concombre sous le bras. Il est pas loin. On devait le manger ce soir, le concombre, et j'ai eu peur parce que madame voulait absolument bouffer le concombre en salade. Et j'ai réussi à le sauver. Et j'ai laissé en cuisine à l'arrière. Mais il est pas loin. Toujours avoir un concombre chez soi, c'est... Le meilleur ami de l'homme, c'est le concombre. Eh ouais, dommage. Parce que j'aurais bien passé quand même plusieurs levels avant de passer à un autre jeu. Et zut. Allez. Alors là, l'idée, c'est quand même de ne pas se faire couler, forcément. Bioum. Voilà. Alors... Là, si vous avez des enfants d'une dizaine d'années, ça devrait leur plaire. C'est un petit jeu efficace. Et voilà, pourquoi t'as sauté ? Oui, il fait très Mario. Et attends, enfin, je sais pas si j'arriverai à certains niveaux. Il n'y a pas que Mario hein, qui est utilisé comme référence, mais là honnêtement je le préfère à beaucoup de jeux de plateforme de l'Amiga, comme Zool par exemple. Alors Zool, oui, on l'adore parce que ça va vite, mais Zool, game over. Zool, le level design, il est ignoble. Enfin, après c'est mon opinion. Mais moi je trouve vraiment le level design de Zool mal pensé, mal fichu. Ça devient vite l'anarchie. Et je crois qu'il y a les ennemis qui repop dans Zool aussi. Alors, il y en a qui aiment ça. Moi, les ennemis qui repop, c'est pas ma cam. Hein. Bah oui. Mais. Beaucoup de jeux européens ont ce travers-là sur le game design et le level design. C'est beaucoup dans la
comment dire, dans la performance, et il passe à côté de l'essentiel de qu'est-ce qui fait un bon jeu. Chose chez qui les Japonais, là, on a depuis longtemps, ils avaient quand même un gars qui était concepteur et qui faisait que ça, et qui planchait sur les tableaux de comment le joueur va appréhender le level, comment il va jouer, et qu'est-ce qui va l'amuser, qu'est-ce qui va le surprendre. Ce qu'on appelle maintenant en game design des boucles de rétroaction, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça dans le game design. Qu'est-ce qui fait que le joueur a envie de continuer, et comment il comprend par lui-même aussi certains événements. Allez, on y croit, on y croit. Oui. Hop, on va attendre un peu. J'étais un peu trop courageux. Tac. Allez, on y va, on y va, on y va. Oui. Le bouton saut, le bouton fire, le saut sur le bouton fire, c'est vraiment un bonheur. Alors, Laurent me dira oui, mais beaucoup de versions WHT load et merde, corrige ce défaut. Ouais, certes, mais c'est quelque chose qui aurait dû. Allez, je vais pas me faire. Non, c'est quelque chose qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Hop. Bon, j'aurais aimé vous montrer un level Sonic, mais je pense que je vais pas y arriver et que je vais passer un prochain jeu. Idem, je déteste les ennemis qui réapparaissent, style Terminator sur Amiga, qui ruine le gameplay. Terminator. Et pourtant, on était content hein, quand il est sorti, mais bon. Le temps a fait que ça n'a pas résisté. Mais voilà, vitesse ne fait pas tout. Prendre les pics après une course, bof, mais normalement personne qui veut exactement. Et honnêtement, je connais pas de jeu aussi bon que Sonic sur Amiga. Hein. Beaucoup ont tenté, mais... Ah oui, c'est vrai que Super Frog reste généreux. Super Frog, il reste quand même assez bien équilibré et on a du plaisir. Hein. Et en plus, première fois, un jeu Team 17 n'est pas trop dur. Trop dur. Alors, c'est selon vos compétences, votre skill en termes de jeu. Mais Super Frog était le premier jeu Team 17 qui permettait quand même de passer le premier niveau mais sans dégâts. Ce qui n'était pas le cas des précédents jeux Team 17. Team 17 pour les intimes. Donc oui, Super Frog, j'avoue que ça reste encore un de mes jeux préférés sur Amiga. Heureusement, déjà Robocop, Leander, Switchblade 2, Shadow of the Beast 3, Arabian Night et Soccer Kid. Robocop, beaucoup, beaucoup apprécié quand même. Hein. On était proche d'un jeu Bing, ce qu'on connaissait sur les consoles, hein, joli, coloré. Et puis, voilà, et des choses qu'on n'avait pas vues avant, comme la capacité à Robocop de grandir, et ça, c'était formidable. Switchblade 2, pas tous les niveaux. Il y a des niveaux que je trouve chiants. Le premier, je l'adore, c'est certain, mais il y a un niveau avec des pentes, et ça se passe en montagne, et je trouve ignoble, il est chiant. Si tu avais un tir laser un peu turrican, tu vois, qui permet de tourner, pourquoi pas, mais là, avec la pente, sans arrêt, t'es en train de sauter pour réussir à avoir tes ennemis. C'est un peu gavant. Shadow of the Beast 3, formidable. Arabian Night, très sympa, même si j'ai pas tout fait. Soccer Kid, c'est un jeu que j'aimerais faire aussi. J'ai un peu testé, mais je l'ai pas fait de bout en bout. BC Kid, bien, mais gestion du saut. Alors, j'ai pas joué la version PC Engine, mais là, avec Morton, par exemple, quand je saute, je sais où je vais atterrir. Dans Turrican 2, quand je saute, je sais où je vais. Et bien, BC Kid, parfois, quand je vise, je tombe à côté. Bubble and Squeak, ouais, avec l'entraide, ça, c'est une très très bonne idée, Bubble and Squeak, où il faut guider le personnage jusqu'à la sortie et s'entraider l'un et l'autre pour passer certains passages. Ouais. Alors, alors, est-ce que je change d'avis? Non. Alors, j'ai envie de jouer à Babenoid de Richard Fager, un jeu sorti très tard, hein, déjà sur une première version en 2003 et une seconde en 2004, qui est la version 2.5, sous-titrée
Hidden Level, je crois. The Hidden Level, et qui pour moi est vraiment la version aboutie de Babenoid. On sent que le jeu est vraiment abouti, autant dans les graphismes que dans certaines mécaniques, certains bonus qui rajoutent du piment. Alors, je vais pas vous dire quel genre c'est clairement, même s'il faut que. Je l'avais caché dans un dossier. Tac, 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 tac. Je l'avais mis hop dans divers. Et c'est le bordel. Pourquoi je l'ai pas? Si, voilà. Réorganisé par nom. Hop, c'est parti. Voilà. Où qu'il est? Il est là. 2.5. Hop, ça doit être cette version là. Alors, je sais pas, les amis, si vous connaissez Babenoid. Et non, c'est pas celle-là. Alors, c'était laquelle? Le générique? Ouais, quasiment. J'ai accès au menu. On peut faire plein de réglages internes hein, dedans. Mais bon, je vais rien toucher, on va laisser le jeu tel qu'il est. Parce qu'il est très bien pensé tel qu'il est. In-game option, par contre, à chaque fois j'oublie. Retourne pour activer les méga bonus. Space pour la drop fly. Fin, ouais, et voilà. Parce qu'on capte des bonus donc qu'il faut activer suivant F1 jusqu'à F6. Swap musique, ça c'est cool aussi. Enfin bon, tac, c'est parti. Chaos, ça c'était Kid Chaos, je le trouve impressionnant en termes de rapidité. Après faut avouer que tu as des ennemis qui sont vraiment parsemés, si tu fais bien attention, les sprites ils sont assez rares hein. Les ennemis ils sont très distants techniquement, c'est ce qui permet cette rapidité de scrolling sans ralentir. Kid Chaos. Alors Babenoid, ça me dit rien. Ah, un chat Pascal, zut. Toc. Je vais faire quelque chose avant. Alors vous avez une map. Vous vous dirigez dans un appartement qu'il va falloir nettoyer. Et aux surprises, qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu? Un casse-brique. Bah oui, mais quand t'as joué à ça, franchement, pour retourner Arkanoid, c'est un peu difficile. Alors, alors déjà, tac, tac, tac. Tu orientes la balle. Alors par contre, grosse difficulté de jouer avec la souris optique. Grosse difficulté, j'ai beaucoup de mal. Et surtout que, alors vous pouvez pas voir la disposition de mon bureau, mais j'ai dû mettre, vous savez la petite planche là qui se déplie sous les bureaux, j'ai dû la scotcher pour éviter que les gamins jouent avec. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai des jumeaux de maintenant 16 mois. Alors forcément les enfants, hein, tant que ça peut toucher à tout et à n'importe quoi et ce qui bouge, alors ça, ils s'en privent pas. Donc j'ai scotché le bazar et forcément je suis un peu mal placé avec la souris. Donc je vous ai pas demandé si le son, le volume du jeu était trop fort par rapport à la voix. Par contre j'avais checké, fait des tests quand même grâce à Laurent pour voir si le volume était... pas assourdissant et j'ai gardé les mêmes réglages. Donc n'hésitez pas à me dire si ça casse les oreilles, le son est nickel, ça me rassure. Tac 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 tac. Extra life. Oh, putain, regarde. Ah, faut vraiment y jouer beaucoup pour découvrir mais toutes les subtilités. Est-ce que j'ai une option là? Voilà. Alors. Voilà, là j'ai activé une option, alors je sais plus à quoi elle sert. Ah, c'est celle qui passe entre les murs, mais forcément. Voilà, et là la balle bouclier. Mais j'ai perdu ma grosse plateforme, et ça c'est génial. J'ai bien cru que j'allais y passer. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Arkanoid est un très bon jeu. Mais là, on a la génération suivante. J'ai Extra Life, non? Hop. Vous connaissez la bille? Oui, vous l'avez reconnu.
It's all life. Est-ce que j'ai du bonus? Can. Ah oui, alors là sur le côté gauche, j'ai le canon. Pas tirer beaucoup de coups. Yo. Ah, c'est quand même difficile de jouer avec le clavier. Hein. Faut... Après, vous pouvez jouer de façon basique, hein, comme, un, comme n'importe quel arcanoïde. D'où ma pause de stream dans les écrits. D'accord. Ici, 9, 7, 3 ans. D'accord. Je remonte un petit peu. Son nickel. Tac, tac, tac. Un certain Bolo sur PC. Ah, je connais pas Bolo. J'irai voir. A voir déjà si Bolo il est antérieur à 2003. Ou, ce qui voudrait dire que Bébénoïde est une inspiration. Ou. Bah, comble pour nous amigaïstes que Bébénoïde ait pu inspirer d'autres jeux sur PC. Get out of here. C'est parti. Alors, tuk tuk, on continue à explorer. Ah, yeah. Toutes les pièces sont pas accessibles. Celle-là, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas. L'autre jour, il y en a une qui m'a fait bugger. C'était la première fois où ça plantait. J'espère que ça sera pas le cas. No. Alors pourquoi tu veux pas? Si, bah, j'aurais dû faire autre chose. Allez hop, on y va. Super. Les murs indestructibles. Chose que... Arcanoïde, t'es content quand tu tombes sur les murs comme ça. Où il faut 2-3 coups pour y arriver. Attends, j'essaie de rapprocher ma main pour un. Alors, essaye avec une souris tank pour voir si. C'est plus agréable de jouer. Du reste, le jeu est quand même très beau. Ambiance sonore, tiens, on va essayer de changer de musique. Ah ouais, swap, ça marche, tac. Alors, c'est... Il faut un disque dur quand même, hein. Ça marche pas sur un Amiga 500. Là, il faut vraiment du 1200 pour y jouer. Hein. Ouh, allez, vas-y. Non, je pensais que j'avais un beau bonus. Tac, tac, tac. Vas-y, vas-y. Faut quand même ouais, de la ressource hein, pour que ça tourne. Hein. Après, normal pour un jeu codé quand même en 2003. Aïe, il y a des options que j'aurais bien aimé vous montrer, mais après c'est totalement aléatoire. Hein. Donc à vous de le découvrir. Mais en émulation, n'hésitez pas. Hein. Vous allez d'ailleurs sur le site d'Amiga France. Vous tapez dans le champ recherche Bébénoïd et vous tomberez sur leur page casse-briques. Tenu de main de maître par Aladdin. Alors, deuxième remerciement de la soirée après Laurent, c'est Aladdin. Un grand merci à lui pour le registre de tous les jeux. Dès que je cherche une information, un fichier, souvent sur Amiga France, c'est disponible. Donc un grand merci à lui pour son travail. Et des gens comme ça dans la communauté Amiga qui comptent, parce qu'ils apportent beaucoup. Et Aladdin en fait partie. Il y a d'autres personnes comme Denis aussi, hein, qui, grâce à son travail de préservation, nous a permis de jouer à beaucoup, beaucoup de jeux. Pascal, ici présent, qui grâce à Page, nous a fédérés, et puis nous motive tous les jours à raconter des bêtises, à partager des nouvelles, à se fendre la gueule.
Donc merci Laurent, merci Aladin, merci Pascal, merci Denis. Je ferai d'autres remerciements plus tard, sinon ça va faire beaucoup. Alors, j'arrive pas à suivre le chat en même temps. Parce que là, pour le coup, faut quand même que je sois un peu concentré sur la balle. Alors, ce level, il est quand même moins marrant qu'une autre pièce que j'avais vue. Il y a des effets de dingue. Il y a des options qui vous transforment le niveau. C'est hallucinant. Parce que là, ça fait plan-plan. Ça fait, j'ai des graphismes jolis, d'accord, mais je reste plan-plan. Ah ouais, j'ai failli crever. Ouais, allez. Ouh, voilà. Là, je peux rattraper la balle à chaque fois, mais ça va être chiant. C'est pas bien de viser. Alors, c'était jusqu'à 6, je l'ai passé. Bon, je n'arriverai pas à avoir le Pac-Man cette fois-ci. Chantique. Plasma Ball. Alors quand même chapeau bas à Monsieur Richard Fager, quand même qui nous gratifie d'un jeu de toute beauté. Pas codé avec le cul, et puis en termes de sound design, vraiment agréable. Donc si vous aviez fait le tour de tous les casse-briques possibles et inimaginables, parce qu'à part Arkanoid, il y en a d'autres qui sont vraiment sympathiques, hein, bah celui-là, à mon avis, il est vraiment dans le top 5. Ah, ça va me prendre des plombs pour finir un tableau là. Caramba, encore raté. Allez, un peu de chat. Il fait un taf de malade à Aladin. Ouais. merci Alex pour tes posts, toujours riche, intéressant. Oui, je prends beaucoup de plaisir à écrire. Même si c'est pas toujours évident, j'aimerais écrire beaucoup plus. Mais bon. Je vais vous avouer que je fais ça sur mon temps de travail, le soir, vers 17h, quand il n'y a plus personne pour m'emmerder au boulot. Où on rassemble des images de capture de jeux que j'ai faites. Et que je commence à écrire. C'est un réel plaisir pour moi. J'essaie de rétablir le statut de la C32 grâce aux cartes additionnelles. LOL avec ma chaîne YouTube. Déjà 40 abonnés sans pub. 40 abonnés, est-ce que ça fait longtemps que tu l'as lancé? C'est une galère. Hein. L'Amiga sur YouTube, faire avancer le nombre d'abonnés, c'est long. C'est un travail de longue haleine. Et les cartes additionnelles, si t'as la FMV, déjà garde-la bien, parce que vu le prix d'une carte FMV, tu es un homme riche. Ouais, Thérèse, as-tu sur Facebook, moi aussi ça m'intéresse. Oui, Jean-Pierre Bollard, ok. On a craché sur la C32. Hélas, la pauvre c'est les 32, un peu mal né. Même je pense que à l'époque les amigaïstes ne comprenaient pas la réelle différence, hein, parce que pour beaucoup d'amigaïstes, ça reste un 1200. Alors que c'est beaucoup plus. Et jetons la pierre aussi aux éditeurs qui ont sorti quand même peu de versions tirant parti de cette belle console. Voilà. Allez, histoire de rire. Tac. Ah, magnifique, j'ai une fractale. Hop. Tuf. J'ai un kit. Et ça, c'est formidable. Regardez, paf. Ah non. J'aurais dû faire autrement. Non, ouf. Putain, vous voyez comme quoi. Il y en a qui font bien leur fichier quand même. Hop, je suis retourné au bureau quand même. Ouf.
Toc, 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 toc. Alors, oui, j'ai un peu dépassé de ce que je voulais faire. Non, je vais me le garder pour la fin. Un que j'ai que en ADF. Il existe une version WHD Load, mais c'est pour moi une version incomplète. Le jeu est sorti une première fois en 2005 et une seconde en 2011, c'est la version 2011, c'est celle que je voudrais traiter et elle est dispo qu'en ADF. Bien, on va continuer dans le casse-tête à ce moment-là, rapidement, et ça me fera du bien aussi de prendre la manette. Plutôt que la souris. Alors, je l'ai mis dans Arcade Puzzle. Regardez-moi ces icônes de toute beauté. Pascal, regarde le travail de Laurent. C'est pas beau, là, quand même. Hein, si, c'est pas beau, c'est rien beau. Oui. Alors, j'ai dit Arcade Puzzle. Le premier qui voit puzzle, il me le dit. Oui, ah, merci, tu l'avais vu en premier. Hop, voilà. Est-ce que c'est le bordel dans mon dossier? Non. Bon, tout va bien. Hop. Alors, je cherche Statix. Alors forcément, dans les S, T, T. Et Springtime, c'est pas mal aussi. Un jour, il faut voir. Il n'est pas très joli, mais ça se tente. Hein. Statix, voilà. Toc, allons-y. Alors Statix, ça fait un peu jeu fait par des démo makers. Terre ici comme par hasard. Putain, ça tourne. Ouais, non, ça va. Oui, jeu démo maker, mais jeu qui marche très très bien. Alors c'est du domaine public. Hein. Attendez, je cherche ma manette. Voilà. Alors pareil, si vous en avez marre de Tetris et vous cherchez de nouveaux challenges, ce jeu est fait pour vous. Hein. Alors, on s'éloigne. Non, on s'éloigne pas du concept de Alexey Pajitnov. C'est vrai que le nom c'est quand même dur à dire. Mais il y a une subtilité qui fait que moi ce jeu je l'adore. Je suis capable de passer des heures dessus. Shower Edition, oui, vas-y. Hop, top, 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 top. Voilà. Alors, déjà, on peut y jouer à deux. C'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Déjà, deux players. Et il y a deux modes. Alors, je ne me rappelle plus exactement quels sont vraiment les différents. Je crois qu'il y a. Il y a une question de timer, une question aussi de position imposée dès le départ. On va faire le basique, le challenge. Alors beaucoup des musiques qu'on va entendre, elles sont composées par Virgil Johann Feldkötter de son vrai nom. C'est un musicien de la scène démo que vous avez pu entendre dans les crack intro ou les démos de Alcatraz. Tac. Voilà. Alors, truc tout bête, on est sur un plateau. Et bien sûr, il ne faudra pas que l'un des bouts des plateaux ne touche le sol. Alors, il faut équilibrer, et ça peut paraître con, hein, mais votre cerveau, là, quand il doit faire ses actions de j'empile, mais en même temps j'équilibre, parfois il se mélange, et vous allez délivrer une partie qu'il ne fallait pas. Par exemple, là, si je vais un peu trop, ça va charger de l'autre côté. Hein. Et bien sûr, un temps imparti pour, voilà, voyez, pour déposer ces figures. Là, j'arrive à... Hop, ouf, Non. Ça, c'était une connerie. Je pensais qu'il détruisait tous les blocs, parce que je ne me rappelais plus de cette icône, mais non, c'est vraiment l'icône qui te sert à rien. Allez, je me concentre un petit peu comme sur la partie. Ouais, tant pis.
Allez, on va faire des lignes maintenant. Peut-être pas là. Allez, on va. Et zut. Allez. Allez, toi tu restes là-bas. Et c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis. Ah oui, et puis en plus, si tu t'amuses à trop charger la mule, bah voilà, t'as le socle qui s'enfonce et qui inévitablement va faire que ton inclinaison elle ira plus rapidement toucher le sol. Alors, j'en profite du game over pour le chat. Alors, tu joues sur émulateur ? Oui, oui, oui. Là, émulateur, c'est plus facile. Là. J'avais présenté un ami kit en début à 22h. Et là, j'ai basculé vraiment sur le workbench. Je te le montrerai après. Voilà. Ça serait un workbench toute beauté et via WinUAV, voilà, avec une config bien gonflée hein, quand même hein, de la fast RAM tout ça hein, voilà, je me prive pas. Hop, hein, tous les sans rappel les X 200 mais je volais. Ah, tu trouves hein. Pour moi je volais les samples font un peu plus vieillot hein, c'est une musique de Jean Baudelot d'ailleurs, j'espère qu'il va bien d'ailleurs ce brave homme. Alors Jean Bolo, ça vous parle pas, mais c'est le musicien de surtout Delphine Software, voilà. Vous le retrouvez dans les titres Flashback par exemple, il est le compositeur des musiques de Flashback, mais c'est Raphaël Jeska qui en a fait l'adaptation des musiques Amiga, qui a fait les samples, voilà. Bolo, donc il y a aussi un Beach Volley, qu'est-ce qu'il y a qui me reviendrait à l'esprit ? Bah, Croisière.cadavre, tout simplement. Voilà. Et ce brave homme, bah, il commence à plus être tout jeune, et il y a encore quelques mois de ça, moi j'avais des nouvelles, comme quoi il n'était pas très en forme. Donc là, dans cette période, bah, j'espère que tout va bien pour lui. Donc tu tournes sur quoi émulation, donc WinUAV. Chaque pièce a le même poids, oui, elles ont toutes le même poids. Ça change de quoi vous... Oui, Battle Squadron. Je suis désolé, il n'y aura pas de Battle Squadron ce soir. Hein. Je suis désolé pour ceux qui pensaient avoir un projet avec un Battle Squadron. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ça sera la découverte Jean Bolo, notamment les voyageurs du temps, tout simplement. Ouais, dès que tu as un jeu Delphine, hein, t'as Jean Bolo et bon, souvent Raphaël. Jeska qui est là pour faire des musiques soit additionnelles ou transférer la composition, je sais pas si on peut parler comme ça, parce que Jean Boulot a un studio hein, et c'est un musicien qui faisait de la musique d'illustration, télé, etc. Et à un moment donné, Raphaël Jeska, il a récupéré ses morceaux pour les adapter sur Amiga. Voilà. Bonsoir Olivier, voilà. Tu l'avais pas vu. Un coucou en passant bien. Bah, j'espère que t'as pris ta. Hop, non, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Toc. J'espère que t'as ton attestation avec toi. Olivier, bien, sois le bienvenu. Alors, on va. Voilà, bah Olivier, tu te pointes et ça plante. Ouais, merci Olivier, c'était sympa d'être passé. Touk. Donc, tac, Statics, bah, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Alors, j'ai prévu plusieurs choses, mais je vais des choses pas trop longues non plus que je garderai pour un futur stream. Je vais aller dans les shoots. Ça, vous le connaissez, ça, obligatoirement. Hop. Alors, c'est pas ma version préférée qui est là, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup. Je crois bien qu'il y a 17 versions, il faudrait que je recompte
On dépasse les 10, hein. Il y a bien une dizaine de versions déjà de Dulce Galaga qui existent. Sur Amiga, hein. Je parle pas toutes les machines confondues. Mais son créateur, alors, je sais pas, il avait un amour immodéré pour Dulce Galaga et Pac-Man, puisqu'il existe Dulce Pac-Man, Edgar M. Vigdal, qui nous a quittés il y a peu, hein, il y a 1 ou 2 ans. Et là, on est vraiment en face de la version ultime de Dulce Galaga. Elle est généreuse, généreuse en options. On a l'impression de jamais faire 2 fois le même jeu, tellement que, il y a deux possibilités de surprise. Pour moi, c'est vraiment un jeu addictif. On s'amuse de bout en bout. Là, je pense quand même la majorité d'entre vous y ont déjà joué ou sont tombés sur une démo, parce que ce jeu a été offert par exemple dans Amiga Dream. Hein. Moi, je l'avais découvert comme ça, save préférence, oui, vas-y mon gars. Via la disquette démo d'Amiga Dream. Alors, hop. Non, non. Moi, je veux les options. Voilà. Alors, moi, il y a une version que j'aime beaucoup. C'est pas celle-là. Alors, il y a toujours des petites subtilités. Non. Là, je suis en train d'activer les canaux musicaux. Ouais. Je vais garder ça. Ouais. On va jouer comme ça. Je vais jouer sur 3 pistes musicales et garder la troisième pour les bruitages. Mode easy. Ouais, ça me va. Je suis un lâche. Mode easy. Alors, ah, écoutez-moi cette belle voix. J'espère que c'est pas l'item qui pue, ça. Parce qu'il y a un item qui downgrade les armes. Alors c'est un vrai bonheur quand tu tombes dessus. Allez, par là, toi. Allez, allez, allez. Non. Allez, on va se retrouver. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'aime dans ce jeu, c'est tout a été repensé. À se faire. Faut être vigilant quand même. Parce que rapidement, on se prend une balle. L'argent est très important, puisque forcément, il y a un magasin d'armes. Pour upgrader son armement, même si on a des bonus forcément qui sont donnés par les ennemis abattus. Tiens, comme ça. Bah ça, vous connaissez ça. Toc. Viens par là, toi. Voilà, ça c'est le basique dans Galaga, vous l'avez déjà. Le fait de capturer un ennemi. Et je peux en capturer un deuxième, ce qui augmentera mon tir. Par 3. Et là, notre premier boss. Hop. Alors oui. J'aurais dû prendre la pièce, ça aurait été plus intelligent. Parce que le boss, bon, j'ai rien à craindre de lui. Et surtout le boss, quand il faut être en face de lui pour le souder, pour voilà, choper le petit bonus et rassembler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hop, les kamikazes. Alors forcément. Tir accéléré, double tir, triple tir. Alors, triple tir, je vous le déconseille. Restez au double tir, bien plus efficace en fait. Triple tir, il est lent. Il y a des passages avec les météorites où vous devez slalomer tel Han Solo dans une pluie de météorites. Il y a parfois une pluie de boss qui vous tombe dessus parce que. Pourquoi? Parce que. Voilà. Bon, allez. Hop. Ouais. Un peu plus rapide. Speed. Putain, t'as bien fait de venir, toi. Hop. Par ça. Voilà. Bah finalement, je suis plus rapide. Faut pas être trop rapide non plus aussi. On peut augmenter la vitesse, mais au bout d'un moment, ça devient un handicap. Voilà, faire attention. Ouh, voilà. Il y a des bonus parfois qui vous filent entre les doigts. C'est regrettable. Mais vraiment, vraiment, vous pouvez pas.
ne pas essayer ce jeu, et surtout, il faut rester vigilant, parce que t'es distrait, tu crèves. Heureusement, il n'y a pas de collision entre vous et les ennemis. Alors peut-être un peu plus tard avec certains ennemis, mais au moins, il n'y a que les tirs qui vous tuent, pas les vaisseaux ennemis eux-mêmes. Voilà, j'ai loupé un triple tir. Alors ça, hop, je le prends quand même, histoire de... Oula, oula. Ah, mais j'ai un shield. Super, allez, toi, viens, tiens. Bon. J'étais un peu con, j'aurais dû attendre de capturer des alliés, enfin des ennemis. Excusez-moi, je m'étrangle tout seul. Là. Voilà. Alors la tête de mort, oui, non, on la prend pas. Mauvaise idée. Monumentale erreur. Bonne soirée, JP. Alors, le magasin d'armes. Tuk 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 tuk. Extra speed, bullet, shoot, less speed. Vous voyez, comme quoi c'est une mauvaise idée de monter en vitesse. Bah écoutez, déjà j'ai 70 crédits, donc j'irai pas loin. Donc, ce qui vaut le coup, bah ouais, c'est la super weapon. La super weapon, là, pour le coup, thermée. Et d'ailleurs, les niveaux, à partir du deuxième niveau, si t'as pas l'extra weapon, c'est pas la peine. Hein. Si t'as pas d'extra weapon, après 40 ans, t'as raté ta vie, quoi. Non mais, allô, quoi. Je tire. Ouh, viens par là, toi. Voilà. Voilà. Donc de Galaga, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de bonus fantasy quand même. Ah bah ça, voilà, par exemple. Touf. Et voilà, Memory Station. Alors, vous avez adoré le Memory sur votre Nokia 3210, bah voilà. Hein. Et j'ai perdu. Alors oui, il y a la case tête de mort, faut pas tomber dessus, mais voilà, elle était en deuxième, pas de bol. Voilà, alors... je peux en faire un deuxième. Je vais tuer le clitoris géant. Ah bah non, c'est une abeille. Et j'ai loupé. Voilà, comme quoi il faut être vraiment en face du boss, sinon tu loupes le bonus. Kamikaze. Oui, j'ai du mal à décrocher, hein. Je me dis il faut que je passe à un autre jeu, mais moi dès que je suis dessus... Janine est partie. Quoi. Non, ouais, bah ouais, non, là j'ai fait une belle connerie. Bingo shot. Voilà. J'ai perdu mon beau tir. Je suis foutu. Alex, c'est ton premier stream? Je ne sais plus. Oui, c'est mon premier stream. Hein. 70 crédits, mais je suis à la rue là, j'ai pas d'argent, c'est terrible. Tant le gouvernement il avait dit qu'on allait toucher quand même l'argent. Bon, ça y est, alors là, les choses sérieuses arrivent. Là, on rentre vraiment dans. Si t'es pas concentré là, tu passes pas. Hein, et... Ils deviennent très belliqueux, ces adversaires. Allez, paf. Voilà. Voilà, voilà. Alors, il y a une histoire de lettres aussi à récupérer. Je crois que quand t'as... Oui, bah quand t'as extra, en fait, extra life, tout simplement. Et bah, c'était gentil, merci, hein. Fait toujours plaisir de passer vous voir, c'est vrai que faisait la tronche, allez tiens, hop. Viens par là, mon petit, allez viens, viens, ouais, allez, parfait, allez, hein. Un deuxième, allez, merci. Voilà. Alors, ces vaisseaux-là représentent aussi, pas un bouclier, mais bah, si tu te fais toucher, tu perds le vaisseau, pas la vie. Cette option là, je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs,
Attract Monster, peut-être, comme dans Chaos Engine, Attract Monster. Mais c'est vraiment l'option à ne pas laisser filer. Toi, tiens, 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 et voilà. Merci d'être venu. Et là, ouais, les missiles à tête chercheuse. Alors ça aussi, c'est un vrai bonheur. Double boss. Enfin, voilà. Je pense que chacun a eu son opinion de fait sur Dux Galaga, qui est, oui, le meilleur shoot'em up, hein, Projet X, il peut laisser habiller. Je vais boire un peu de jus de raisin. Alors, sympa ce stream. Oui, d'ailleurs, je sais même pas combien on est, d'ailleurs. Alors, ce soir, c'est génial. Il y a tout le monde qui dort. Je suis seul, c'est formidable. Madame est partie dormir, les gamins, oui, ils dorment depuis longtemps. Je suis tranquille. Alors, je ne sais pas si elle m'entend. J'ai fermé plusieurs portes entre le salon et la chambre, donc j'ose croire qu'elle ronfle. Je remonte. Attendez, putain, mais vous avez discuté, mais vous parlez trop, là. Personne ne pense à ça. Je lis des bêtises, je suis désolé. Je vais essayer de reprendre le Facebook, c'est quoi ? Oui, 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 Olivier. Et pourtant. Pourtant, c'est quand même plus simple pour nous de te joindre. Donc, s'il te plaît, rouvre un compte Facebook. Ça serait sympa. Qu'est-ce qui nous rajeunit pas mal de monde de croix ? Bonne soirée, JP. Malheureusement, sinon, comment ça va ? Je vois, bah écoutez, tout va bien. Et toi, je déconne. Bonne, je reviens pour Alex. 5 minutes, c'est sympa. Alex, c'est ton premier stream. Ça, j'avais déjà vu. Je deviens vieux. Je nous va. Ta femme t'entend. Ma fille m'attend pour jouer à Dying Light. Ça, c'est cool. C'est violent, oui. Oui, mais passe un peu de temps avec sa fille. Mais elle est grande, ta fille, hein, Olivier, de toute manière. Ouais, ouais, oui. Et ton fils 24, ouais, c'est des grands enfants. Donc, c'est... oui, toi, t'es un vieux. Il n'est plus à la maison. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien dans votre petit confinement et que c'est pas trop, trop pesant. Je pense qu'on s'y est un peu tous habitués, même si le beau temps fait qu'on commence à péter les plombs. Enfin, en tout cas, je vois à Paris, il y a tout le monde qui pète les plombs. Là. Les gens, ils n'arrivent plus à rester chez eux. T'es doué pour parler ? Je sais pas. Je sais pas si je suis doué pour parler. 50 ans déjà. Bah écoute, bon anniversaire. Non, 50 ans, oui, quel bel âge. Tu les fais pas, Olivier, hein, je te rassure. Bien, alors je vais faire de un jeu en ADF. Par contre, où est-ce que je l'ai foutu? Mon dieu, attendez, je baisse la fenêtre. Toc, toc, toc. J'ai pas préparé ça. Il doit être là. Ouais, il est là. Alors attention, je vais changer de config. On va. Je vais peut-être réadapter la fenêtre aussi. Tac, 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 tac. Floppy drive. Voilà. On va aller voir le... Est-ce que vous avez du noir ou pas ? Voilà, je pense que là, la fenêtre, il va falloir que je la... je suis dessus, c'est bon. Allez. Tant pis pour le concombre. Faire une petite modif aussi dans les filtres. Sinon, je sais que full screen, ça apparaîtra pas. Voilà. Alien Fish Finger. Alors, rien que le nom déjà. M'a toujours épaté. Alien Fish Finger. Ça, c'est un nom qui pète. Hein. Alien Fish Finger, un jeu de David Chris Chank, sorti initialement en 96, une première version. Alors, c'est la version qu'on trouve en WHD Load. Et moi, ce que j'aime, c'est la version 2011, revue et corrigée par son auteur, avec plus d'ambiance, plus de bruitage, plus de sang, plus de niveau de difficulté. On peut aussi aller au niveau 4 directement si on souhaite. C'est vrai que c'est peut-être
pas bête parce que beaucoup de joueurs ont dû buter au niveau 3. Moi, c'est là où je bute hein, pour des bêtises en plus. Hein, à chaque fois que je perds, je me dis ah, mais merde, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc pour l'instant, moi, en normal, je bute au niveau 4. Donc les options, bah, parce que je vais faire un truc, je vais me mettre en Blood Level High, oui, grenade normale. Back to menu, achievement. Il y a des achievements. Voilà, il y a des trophées à créer en fonction de nombre d'ennemis, de la bravoure, des choses que vous allez trouver aussi dans le jeu, que vous allez récupérer. Il y a des choses cachées. Il y a des items cachés. Et je croyais qu'il y avait un menu. Il y avait un easy. Et non. Et ben c'est parti. Level 1. Alors, oui, easy. Mais, voilà, il me semblait bien. Alors, je vais baisser la fenêtre. J'ai jeté un coup d'œil au retour pour voir si. Ouais, ça me paraît. Ah non, il n'y a pas la barre. Il n'y a pas la barre de qui apparaît. Hop. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas la barre de vie qui apparaît pas tant que vous avez le jeu, c'est l'essentiel. Allez hop, tac. Voilà. Olivier, tac, tac. En même temps, je regarde le chat. L'intro Dracula X version Game TV. Ouais, ah, ça serait cool ça, l'intro Dracula X sur Amiga, enfin quelque chose de semblable, ouais. Moi je veux bien, si tu te lances là-dedans, ouais, je veux bien faire des bruitages, reprendre des bruitages. Ouais. David, un vrai magicien, on pourrait pas l'appeler David Copperfield. Allez hop. Donc, un fishinger, bah c'est un run and gun. Alors, il paye pas de mine. Certains pourraient dire même qu'il est moche. Moi, je trouve que graphiquement, il est lisible. Alors, graphiquement, il est très lisible. Les sauts peuvent paraître lunaires. Mais après tout, bah on est sur des planètes, des mondes extraterrestres, donc normal que la gravité soit pas la même. Ouh, t'as essayé de me... Ah, tu vas voir toi. Et même dans la version 2011, l'IA a été améliorée. Parce que j'ai rejoué il y a quelques jours à la version 96 et t'as les ennemis... c'est pas des flèches. Alors, il y a les armes des ennemis récupérées. Là, peut-être que vous ne voyez pas, mais dans le au-dessus, on a les armes récupérées qui sont comptabilisées et qui vont permettre d'upgrader votre propre arme. Tiens, voilà. Et comme de l'Xglaga. Les lettres à récupérer, extra, et qui donneront une vie en plus. Alors, le but du jeu, c'est aussi de récupérer ces petits trucs brillants qui vont vous permettre de recharger votre appareil en carburant, on va dire ça comme ça, hein, et qui, une fois rempli, bah, vous retournez à votre appareil et puis vous décollez pour un prochain niveau. Et on pourrait croire que c'est comme ça tout le temps. Mais il y a des surprises. Il y a des surprises. Et c'est... Ne pensez pas conserver votre vaisseau comme ça. Non, 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 non. Non, non, il y a pas un scénario à proprement dit, mais des événements qui font que le jeu varie. Le level design est vraiment bien pensé. C'est... tout simplement, on se perd pas. Il y a des surprises. Ah, excusez-moi, je suis fan du jeu. Je me demande si on pouvait pas passer de l'autre côté pour atteindre des zones. Il y a des petites zones comme ça cachées qui.
on est encore là devant un jeu généreux. Alors, il n'a pas été édité officiellement. Hein, je crois qu'on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'indé. Mais je sais même pas s'il était dans le catalogue dans le public domaine. Si vous connaissez ce jeu et que vous l'avez découvert, hein, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez connu à l'époque. Hein. Parce que moi, c'est vraiment un jeu que j'ai connu sur le tard. Pour le coup, je l'ai connu grâce à l'émission, à la chaîne YouTube Doc Return. Alors pareil, dans les remerciements, merci Doc Return pour toutes les vidéos déjà qu'il a faites, qui m'ont fait découvrir d'innombrables jeux, je vais y arriver. On pense toujours avoir une connaissance infaillible des jeux de l'Amiga, d'avoir tout vu, tout joué. Il y a toujours le jeu que t'avais jamais entendu parler, et qui est formidable. Et ça, c'est justement dans son spécial Run and Gun Amiga que j'avais découvert ce jeu-là. Et putain, quel trouvaille, quoi. Moi, je suis un fan absolu de Turrican, hein. Run and Gun, j'explore, etc. Là, on n'est pas dans quelque chose d'aussi nerveux, mais là, franchement, tu passes de très bonnes soirées. C'est marrant. La dernière fois que j'ai fait cette partie, je suis arrivé par le bas. Alors, je sais pas si j'ai la possibilité de passer par là, par le haut. Ouais, non. Je vais perdre des vies si je fais ça. Et là, voilà. Parce qu'on a une autre arme que j'ai pas montré, c'est la mine. Donc appuyer longtemps, mais forcément, si on peut, on peut se faire avoir, envoyer la mine, se diriger sur elle, et puis bim. Ouh. Alors, ouais. Je me disais bien que j'avais entendu le bruit d'explosion, c'est Scorched Tanks. Attends, tu partages tes intros en ligne, Olivier. Ah, carrément. Bon, bah écoute, hein, c'est sympa pour tout le monde, hein. Et le bruit d'explosion est un peu trop fort. Quand on voit une mine, ça te dégomme les oreilles. J'attends ta zik. Bah ouais, moi j'attends d'avoir un peu de temps aussi. Des idées zik, hein, là j'en ai des tas. Hein. Vous n'avez pas idée, j'ai plein de morceaux en tête ou sur le feu ou de concepts. Hein, parfois de reprendre tel pattern de batterie aussi. Faire un sampling, tiens, de bons vieux beats des années 70, l'utiliser. C'est juste une question de temps parce que se mettre dans un morceau, c'est vraiment un travail sur la longueur. Faut quand même avoir 3 heures devant soi pour exploiter l'idée. Et là, à chaque fois que je me pose devant l'ordinateur, j'ai quoi, 5-10 minutes avant qu'un gamin débarque. Forcément, il veut jouer avec la souris. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis quand c'est pas les gamins, y a le quotidien, hein, vous connaissez tous, hein, la vaisselle, la lessive, tout le bazar, quel bonheur. Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je disais, t'es jamais paumé, et voilà, je me suis paumé. Voilà, allez, coucou. Et encore, là, les niveaux sont assez lambda. Là, bon, voilà, je suis mort, je perds une vie. Et après, il y a des trucs tout cons, hein, comme des escaliers où les ennemis arrivent par le haut. Hein, ou des moments de tension. Des ennemis, ils commencent à avoir des armes style robot de Robotech qui arrivent sur toi. Ou des soucoupes volantes, ça. Hop, tiens. Alors ça, c'est une vraie saloperie. Une vraie saloperie. Barba papa. Allez. Oh, reste loin de moi. Ouais.
Ah ouais, non. Ça te bute en un coup. Si tu veux perdre une vie, fais-lui un bisou. C'est le Covid-19 en personne. Le Covid vidéoludique. On reste un mètre de moi, s'il te plaît. Lave-toi les mains. M'éternue pas dessus. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Que vos compagnes respectives sont gentilles. Qu'elles vous laissent jouer aussi. Moi, c'est pas le cas. Bon. Moi, il faut que j'attende qu'elles dorment pour... Ah, tu vas pas remettre ça avec ton Amiga, hein, ta vie. Je comprends pas. L'Amiga, mais. Un truc qui devrait être dans une déchetterie depuis longtemps, un truc rouillé. Voilà, j'ai une vie en plus, un extra life. Attends. Ah bah non, c'est l'extra life qui brille. Hop. Allez, c'est parti. Spéléologie. Voilà. Ça réplique. Jamais tranquille hein, pour explorer. Ça fait peur. Voilà. Alors là, j'ai déjà eu une upgrade, hein, mon arme par rapport au début, elle est plus la même. Mais là, pour avoir la deuxième upgrade, faut ramasser encore plus d'armes. C'est comme ça, c'est... tu dois en chier dans la vie. Tuer plus pour avoir plus. Hein. Voilà. Oula! Alors, je suis en niveau facile, hein, ce qui fait que les ennemis, ils sont sympas quand même, ils me tirent pas dessus. Il y a quand même un certain temps avant qu'ils dégainent et te mitraillent. Donc ça va, hein. C'est pour ça que j'ai le temps de vite les abattre. Ouh, bah tiens. Déjà, un petit... Alors, je sais pas comment on pourrait appeler ça... On avait ça dans Conan le fils du futur aussi, le truc où on monte dessus et qu'on dirige. Si vous avez vu Conan le fils du futur, un très bon dessin animé de Miyazaki, hein, c'est une des séries de Miyazaki. Si vous n'avez pas vu Conan le fils du futur et que vous aimez Miyazaki, allez voir ça. Alors je me demande, c'est une série comme QA qui doit être en 40 épisodes. Et déjà les premiers thèmes de Miyazaki sont déjà là, le rapport à la nature, la place de la femme. Hop. Mais il y a un concombre, bah ouais. C'est notre ami Jeff Commodore qui est venu faire coucou. Bah ouais, le concombre, loué soit le concombre. On a... Ouh ! Voilà, il s'est caché, hein. Ah, t'es un coquin, toi, hein. Tiens, ah bah voilà. On pensait à une époque avec Pascal d'appeler le site Concombre pour toujours. On a fait une étude de marché, et puis... En fait, on a vu que ça marcherait pas, donc on a renoncé. Et on s'est dirigé vers l'Amiga. Amiga pour toujours, et puis 2000 membres. Sachant qu'on touche des royalties. Hein, 1€ par membre. C'est comme ça qu'on se paye des Neo Geo. J'aurais quand même souhaité finir le niveau 1. Je pense que ouais, j'en suis pas trop loin, je vais activer. Bonsoir. C'est ici la fête à Tarieste. Ouh putain.
Bon, je sais pas si j'ai... Parce que le truc tout con, c'est si tu ramasses pas suffisamment de carburant, bah tu pars pas. Ah, là-bas, il y a un truc... Ah bah oui. Je lui ai fait un bisou, et voilà, un bisou Covid. Je m'en suis permis. Allez, yo. Voilà, hop. Non. Bon, la gestion des escaliers est pas aussi chiante que dans Castlevania sur Amiga. Il y avait quoi aussi qui était chiant, les escaliers là, tu montes, tu sais pas comment. Il y a un jeu aussi qui casse couille là-dessus. Pour monter, descendre, tu galères tout le temps, tu galères. Alors là, faut pas trop jouer au con aussi, parce que bah, tu tombes. Si tu tombes trop, tu perds une des 5 barres d'énergie. Je pense que vous voyez pas la barre d'énergie parce que j'ai pas assez bien centré la fenêtre. Ah bah Pascal il est parti. Ouais c'est vrai, 23h déjà. Voilà, hop. Bon, on va voir si on peut reprendre. Ah bah voilà, j'ai déjà tout tué. Bon. Toup. Et si ça décolle, pour moi... Non. Voilà, si. Et voilà. Pour moi, ça sera l'occasion, bah, finalement, de clôturer sur ce stream. Parce que je voulais traiter 4 jeux en une heure. Alors, j'ai dépassé de 20 minutes. Pour moi, c'est largement suffisant, on va pas faire des streams à rallonge. Hop, voilà. Deuxième niveau. Donc, Alien Fish Finger. Putain, je relance à la config Workbench. Configuration. Où es-tu? J'invoque. Voilà. Apparaîtras-tu? Ah oui, mais là j'ai fait un truc trop gros. Bon, c'est pas grave, on s'en fout des images. Ouais, c'est pas si mal comme ça d'ailleurs. Voilà. Un beau workbench. Sans concombre. Allez, on va enlever le concombre. Voilà. Donc, merci Laurent. Alors, regardez-moi ces icônes de toute beauté. Tac, tac. Magnifique. Et il y en a une en plus, voilà, Action Maze, le can fodder. Ah, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de jeux. Hein. Hop. Et on va se quitter en musique. Bon, en tout cas, j'espère que ce stream fut aussi agréable pour vous que pour moi. J'essaierai d'en faire d'autres ponctuellement. Zut, pas ça que je vais trop vite. De façon ponctuelle, hein, si une fois par semaine, d'en faire. Si vous, ça vous a plu, hein, n'hésitez pas, hein, on remettra ça. Hop, on va mettre un peu de zik. Qu'est-ce que... ah oui, tiens, mettre ça. Ah oui, je mets mes propres zik, hein, tant qu'à faire... où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bah, et où? Ouais, tant pis, hein. On va pas. Putain, j'étais persuadé de l'avoir foutu, bah tant pis. Allez hop. Un peu moins fort. Voilà, on va se quitter là-dessus. Alors, c'est un peu sombre au début. Donc je reprends le chat. Il est loupé, Castlevania sur Amiga. Oui, c'est de la merde en barre. C'est clair, du gros caca en barquette. Icône Alex. Ah bah oui, l'icône Alex, j'avais pas montré. Tac. Voilà. Icône Alex. Alors pour l'instant, j'ai mis des trucs que je dois tester dedans. Hein. C'est un peu le bordel des choses que j'ai pas trié encore, que je dois voir. Donc...
on verra peut-être prochainement un de ces jeux, donc, ne serait-ce que Napalm, déjà, qui vaut le coup. Si vous cherchez un RTS type PC sur Amiga, Napalm. Little Devil, bah, en fait, c'est pas si bien que ça, Little Devil. C'est joli, mais c'est un peu chiant à jouer. Quelques pinball, ouais. Pinball, Hazardomania, qui sont pas si mal. Il y a des choses assez obscures, hein, du point and click polonais. Ça peut faire marrer parce que l'intro est jolie, mais après c'est incompréhensible. Et voilà. Donc, et ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Sortez couvert. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Faites coucou à votre voisin de loin. Et puis, bah, écoutez, hein, j'ose croire que. On est le 9 avril, on sortira au mois de juin, quoi. Voilà. En tout cas, bonne nuit à tous, faites de beaux rêves, et puis, comme dirait Astronomique, à la revoyure, voilà, à très bientôt. Ciao.